Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence, on va découvrir les messages pour votre mois Je vous invite à prendre le temps d'écouter aussi votre ascendant les poissons, puisqu'ici je m'adresse au solaire et aux ascendants poissons Comme d'habitude on va aller voir ce qui va se passer à gauche de favorable pour vous Ici ce qui va falloir dépasser, on va développer tout ça thème par thème et on finira sur une guidance qui vous donnera des pistes de réflexion voire même des réponses, c'est bien sûr ce que je vous souhaite Ici, on a des charmes. Alors, regardez-les bien avec votre œil à vous et surtout, laissez les événements arriver. Sachez que pour moi, c'est arrivé par exemple le mois dernier, le 28 mai. Donc, pour vous dire à quel point ça peut aller très loin. Euh, et bien sûr, ça nécessite quand même d'être attentif. Hein, ça fonctionne comme des synchronicités. Si vous ne remarquez pas certains détails, évidemment, ça vous passerez à côté du message. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous Déjà, on a quelque chose d'assez particulier qui ressort dans les guidances, outre le fait que vous soyez inclus dedans. On a quand même cette carte de la dualité qui a parcouru beaucoup de signes. J'en suis au 11e, il me reste les versos. Et je peux vous dire que ici, cette carte, elle a été, pour beaucoup de signes, elle est sortie. On l'a eu par exemple pour les taureaux du côté favorable on l'a eu en dos de deck on l'a eu du côté négatif. Et en plus, ce qui est paradoxal, hein, vraiment, j'ai le signe du Gémeaux qui est représenté par les amoureux, j'ai le signe de la Vierge qui est représenté ici par l'ermite, Eh bien j'ai retrouvé cette carte pour ces deux signes. Donc pour vous dire à quel point on a, euh, il <laughs> y, a, y a comme un chassé croisé là, je ne sais pas de quoi on parle, mais je peux vous dire que c'est assez particulier. Alors, il y a aussi euh, quelque chose que je tiens à mettre en relief dans ce tirage, puisque... Quand même, cette carte des amoureux nous parle effectivement d'une dualité ici en négatif, d'une hésitation, d'une contrariété, du positif négatif. En tout cas, l'idée euh, d'avoir ici une situation qui est très gemellaire finalement. Et donc c'est peut-être aussi la période du mois de juin qui est représentée par le poisson qui est symbolisé ici. Donc ça peut être une période ici euh, pour vous, pas forcément très favorable. Je, je fais pas l'astrologie, mais... Peut-être pour les, pour les connaisseurs vous pourriez éclairer la lanterne, il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui parle peut-être d'une opportunité qui serait à saisir et vous hésitez tellement longtemps que vous n'y allez pas possiblement. ou une situation qui est très en reliance avec ce neuf de bâton, alors déjà, regardez quand même, on a la notion de chance deux fois ici dans le côté négatif. Donc, est-ce qu'on ne saisit pas son opportunité, sa chance Possiblement. Mais ce neuf de bâton nous parle plus précisément ici d'utiliser son temps et son énergie de son quotidien, des sorties, du travail, en peut-être planifiant finalement ici, on, on a tendance ici peut-être à, à, à ne pas euh, privilégier ce qui est peut-être important. On est peut-être un peu partout tiraillé. Il y a une forme de pression multiple ici, euh, peut-être beaucoup de corvées, beaucoup de responsabilités ou le fait, tout simplement, avec ce neuf de bâton de ne pas savoir dire non et d'être toujours voilà dans cette situation-là. Donc peut-être ici il y a une invitation pour certains euh, d'une d'une forme d'utiliser son énergie euh, le plus judicieusement possible pour pouvoir saisir sa chance ici je pense concernant un choix que vous devez faire qui vous met dans des problématiques hein. voilà donc on le sent ici alors il y a aussi quelque chose de très frappant pour beaucoup de poissons ici quand même euh, les amoureux représentent comme la carte le montre même s'il y a différentes écoles les amoureuses, c'est quand même une énergie où on sent qu'on est relié à quelqu'un, alors euh, sur le plan sentimental, mais aussi euh, sensiblement à une énergie en lien avec... Euh euh, l'union, l'association, hein, pas forcément une personne, mais plutôt votre façon d'interagir avec les, les autres. Et à côté de ça, on a l'ermite ici en positif, qui, lui, euh, cette énergie, c'est quand même le voyageur solitaire, c'est celui qui s'introspecte, qui reste seul. Voyez, donc on a l'idée qu'ici positif, euh, positif de ce côté là. Bon, euh, il y a une mise en lumière et une évi un évitement ici peut-être parce qu'on a le mot danger dans le positif. Donc on nous dit euh, que peut-être vous évitez le pire en, en restant un petit peu seul et en, en retrouvant votre confiance en vous plutôt que de vivre dans une situation amoureuse ou relationnelle qui est pas forcément très euh, très épanouissante ou harmonieuse. Voilà. Donc bon, pour ma part, je pense qu'il peut y avoir différentes façons de lire ce, ces messages. On a effectivement pour certains poissons euh, des situations complexes, duels et tiraillées. Euh, et de l'autre côté, une mise en lumière, parce que quand même ici, on a quelque chose ici qui vole en éclat, on brise la glace. Et on garde confiance parce que euh, la lumière commence à jaillir. Vous voyez, il y a un côté comme ça aussi euh, sur euh, la façon dont vous vivez les, les énergies du moment. Et on peut sentir, effectivement, il y a peut-être euh, euh, des... Alors ce que je peux ressentir, et si je fais le parallélisme avec ce que vous avez déjà eu dans vos guidances pré précédentes, si je me souviens bien, les poissons, euh, on avait des poissons qui avaient du mal à croire à certaines énergies peut-être plus subtiles, voilà. Puis on a, on a un oiseau ici, donc on a quelque chose à libérer. On vous encourage d'ailleurs à le faire. Et on voit que pour certains, effectivement, c'est une mise en lumière ici euh, d'une force intérieure, d'une énergie dans laquelle vous êtes relié, peut-être une connaissance occulte. Hein. Et on voit que pour certains, il euh, y a quand même l'idée que bon, tout ça, c'est de la chance. On n'y croit pas vraiment. Il y, y a encore des doutes, quoi. Voilà, c'est un peu cette énergie qui ressort hein, pour beaucoup mais je, je pense qu'il y a quand même des poissons qui sont invités à être peut-être peut prudents dans une énergie où on ne sait pas trop quel choix faire hein, par rapport à une chance qui vous est présentée. et on sent qu'il y a des risques ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. mais de façon positive, vous pouvez garder confiance. vous allez mieux comprendre ce qui va se passer ici. il euh, y aura pas de là on parle par exemple d'une énergie un peu brutale, un peu inattendue peut-être quelque chose qui n'est pas facile à vivre hein, ici. Hum, voilà, eh bien, euh, on n'a peut-être pas conscience du danger ici euh, par rapport à une situation. Ben là, vous allez pouvoir euh, retrouver de la confiance en vous et surtout y voir très clair et être assez sage dans vos décisions. Voilà, donc s'il y a une hésitation, il y a une sagesse qui est là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On parle aussi d'une ressource euh, intérieure qui est quand même très, euh, très, très, euh, comment dire, vous pouvez compter sur cette euh, énergie-là. S'il y a des bouleversements, gardez confiance en vous. Voilà. Vous gardez confiance en votre sagesse intérieure. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé ici par quelqu'un du voilà du ciel, puisque sachez que les oiseaux sont des messagers du ciel qui vous encouragent ici, voyez, qui vous euh, qui vous qui vous supporte, qui vous aident dans des moments de complications. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre. Et puis on a quelqu'un ici qui fait un peu le la gymnastique, qui se contorsionne, qui c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on parle aussi de euh, de personnes qui doivent faire attention à, à se libérer. Euh, et prendre leur part de responsabilité. De ici, j'ai quelqu'un qui joue au baseball. On vous dit euh, projeter, hein, euh, de faire, euh, de, de prendre cette part, euh, votre part à vous. Et puis, on peut sentir effectivement qu'il peut y avoir vraiment un encouragement à se libérer, à s'alléger. Alors, de façon symbolique, bien sûr, on y faut des énergies, mais aussi euh, par rapport à euh, une énergie de. Comment dire, euh, de poids ici. On a le gâteau, on a la légèreté, on a le sport. Donc certains, vous allez vous mettre au sport, c'est tout à fait possible. Voilà. Je pense qu'il y a ce N aussi qui peut parler pour beaucoup d'entre vous de nom, de prénoms, de lieux géographiques, de mots importants. Comme par exemple, je vous ai dit tout à l'heure avec ce neuf de bâton, on peut parler d'un nom, un nom que vous devez euh, craindre peut-être ou dire. Voilà. Il peut s'agir de cette énergie un peu négative qui ressort aussi. Et euh, on peut avoir aussi bien sûr des prénoms comme Nicolas, Nicole, euh, Nathan. Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer bien sûr. Donc prenez le temps d'observer et attendez bien que les événements arrivent. C'est particulier hein, cette énergie ici en danger. Donc on peut avoir aussi un signe de la Vierge que vous connaissez ou ascendant Vierge. Alors du côté positif, le danger peut représenter une profession comme pompier, agent de sécurité, euh, des personnes ici qui ont des emplois euh, où on prend beaucoup de risques hein, ou on ose. Voilà ou alors une, une énergie ici qui vraiment met en lumière, vous allez voir clair sur une situation et gagner en foi et c les dangers vous ont, euh, vous ont bâti, vous ont construit pour pouvoir garder la foi. Hein, C'est une énergie comme ça qui ressort ici. Allez, on va aller voir la suite. C'est un sacré tirage, les poissons. Magnifique, J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce qui va se passer pour vous. Alors regardez bien ce que l'on retrouve quand même dans vos énergies. Nous avons l'énergie de la chance. C'est quand même pas possible ça. La chance et la chance. Bon, elle était quand même inspectée en négatif, donc on va y revenir. J'ai autre chose qui me frappe, hein. c'est cette clé que l'on a ici. Et on la voit ici à la fin de cette, euh, cette carte. Ici, elle est là. Elle est comme un Graal ici, comme si on parlait de cet objet qu'il fallait aller chercher. Et pour ça, pour aller chercher, il va falloir monter les échelons. Il va falloir ici progresser. Il va falloir apprendre de ces, de, 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 bah voilà, de ces expériences, ces épreuves pour obtenir cette clé. Alors, vraiment, j'ai des poissons ici qui sont en train de euh, d'avoir une progression fulgurante dans un domaine d'activité ou en tout cas une façon de penser. Parce qu'on ne peut être dans un cadre tout à fait privé et pas forcément professionnel. Hein. Alors, sachez que cette carte, elle est sortie, elle était euh, juste au milieu du jeu des oracles de, de l'oracle de G. Elle voulait venir pour vous. Donc, une bonne nouvelle, on vous le dit, une bonne nouvelle qui va vous apporter de la joie. Alors, évidemment, on arrive en fin d'année. Donc, effectivement, on peut y mettre dans ce tirage des fêtes de fin d'année. Vous obtenez votre certificat, vous obtenez un permis de conduire, vous obtenez un diplôme, vous obtenez un contrat de travail, vous obtenez une récompense. Voilà, vous avez dépassé une problématique et un défi, en tout cas quelque chose ici qui est très porteur pour vous. Il y a vraiment une opportunité. Alors pour certains, vous avez aussi une invitation. Euh, là pour un mariage, une festivité, des vacances. Voilà, on voit l'air des vacances. Il y aurait beaucoup à dire hein, dans ce tirage. <laughs> Mais euh, ce qui m'intrigue chez vous, c'est que quand même, si on revient à quelque chose de plus euh, édulcoré, on peut sentir ici que la chance, le destin, la chance, ce n'est pas tout à fait ce qui finalement vous caractérise dans ce tirage. On sent que... Euh, vous, soit vous faites progresser votre vision hein, de la chance, parce que finalement on vous a vu en dualité avec ça. Soit on va parler plutôt d'une situation où euh, ce n'est pas vraiment de la chance ici. Hein. Vous deviez aller chercher cette, cette progression, et c'est justement en progressant que vous allez finir obtenir par le résultat que vous attendiez, et euh, c'est mérité. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc je ne veux pas rentrer dans des croyances. C'est chacun qui se fait une idée de ce tirage, mais là c'est très très beau. Alors ça peut être vous, ça peut être un compagnon, un proche, quelqu'un ici. Et alors en haut de deck j'ai quelqu'un que vous pourriez connaître depuis fort longtemps puisque j'ai l'énergie de l'éternité, éternel amour. Euh, J'ai ensuite euh, un personnage masculin ici qui ressort, qui est souvent euh, le, le papa, l'oncle euh, ou un homme proche de vous, un ami aussi. On peut sentir euh, également l'énergie du printemps, donc euh, quelque chose qui arrive vraiment pour cette période, d'où tout à l'heure euh, le fait qu'on parlait du, du Gémeaux. Là, il y a vraiment une opportunité qui va vous être présentée, qui pourrait être durable. Euh, une personne qui vous aime beaucoup aussi, qui vous veille sur vous, qui, euh, qui est là pour vous accompagner dans les épreuves et qui vous sème s'il est là, qui vous accompagne. On pourrait parler du guide, hein, je sais que certains poissons pourraient être sceptiques mais on peut le sentir ici dans les énergies parce qu'on a un oiseau qui, euh, qui est là. Il y a quelque chose qui va se fêter agréable, ça peut être des vacances où vous allez vous profiter, Alors on parle du Nil éventuellement ici. La mer. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a derrière C'est vraiment un tirage qui est très beau, éternel. D'accord. On enlève les masques. Ok. Euh, ok. Ok. Alors, vous voyez comme on a essayé. Euh, on vous promet de trouver un équilibre. J'ai des gens qui se mettent à prier. J'ai des gens qui euh, vont euh, qui vont être entendus ici. Hein. Quand même, j'ai l'énergie de la de la prière, de la promesse. Ok. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, comme si euh, vous ne le voyez pas venir. Quelqu'un qui ne montre pas ses intentions, voilà. Et on voit que c'est une bonne nouvelle. Hein. Elle est sortie cette carte. Hein. On a les, le bateau, on a le ouais, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire d'écrit, cris, de bonnes nouvelles, des choix. Là, on retrouve nos amoureux avec les choix. Bon, j'ai une histoire de de de, de documents envoyés. Peut-être euh, on peut avoir quelqu'un d'étranger ici. On peut avoir quelqu'un qui est sur les mers. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'amour hein, qui arrive pour vous. Hein, ou une passion toute nouvelle et vous allez saisir une opportunité. Bon, en tout cas, pour beaucoup de poissons, c'est un beau mois qui s'annonce sur le plan professionnel. On voit aussi la marge de progression. Donc, vous euh, voyez cette, euh, cette montagne, on peut la ressentir comme une marche que vous avez gravie là. Voilà. Donc, on sent que même si on a l'impression... Que vous êtes euh, quand même tiraillé, que vous pourriez hésiter, vous faire une montagne de quelque chose, vous demander si c'est une vraie opportunité. Mais moi, pour moi, oui, il y a quelque chose de très favorable pour vous. Hein. On va aller voir avec le Bélin, ce qu'on nous donne davantage. Bon, dans les métiers, il hein, y a beaucoup à dire. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes dans le milieu peut-être festif événementiel, hein, c'est possible. En tout cas, c'est une belle opportunité pour vous. Euh, certains, c'est en rapport avec la retraite. Hein. Certains, vous commencez à vous imaginer partir à la retraite certains vous avez une, euh, un gain, un gain pour un voyage, un jeu, euh, vous avez peut-être euh, avoir un cadeau, hein, c'est possible, on a quelqu'un qui vous apprécie bien, certains vous êtes dans le milieu euh, de l'animal, ici dans le milieu euh, d'une passion qui vous anime, certains vous avez vraiment le goût du voyage, hein, c'est clair, qu'est-ce qu'on me dit, on parle de la montagne, on me parle de quoi Bon, en tout cas, il y a vraiment des belles choses qui se font pour vous hein, ce mois-ci, j'ai l'impression. En dehors du contexte professionnel, ça peut parler de vous et vos proches. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de euh, juin, pour les solaires et ascendants poissons, s'il vous plaît, avec le béline Les solaires et ascendants poissons pour la vie professionnelle, s'il vous plaît, pour le mois de juin Alors, l'abondance, l'argent, mais bah dites-moi, <laughs> je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Il y a une promotion, il y a quelque chose qui arrive, une, vraiment quelque chose qui arrive de très agréable pour vous. Hein, donc, c'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons Un retour d'argent Les poissons, s'il vous plaît. L'intelligence, j'ai le contrat, j'ai l'argent et là j'ai l'action. Bon, écoutez, euh, c'est très bon. Alors, par contre, vous voyez bien comme on a une dualité sur une situation. Et je pense qu'il y a quelqu'un. Alors, c'est possible qu'on parle d'une situation qui se répare, hein, tout simplement. Ça a été difficile, douloureux. Et on voit que vous, il y a une forme d'exigence aussi, hein, d'où cette notion d'hésiter euh, avec cette dualité, mais aussi la montagne, hein, c'est-à-dire qu'il fallait monter jusqu'en haut pour voir un petit peu le panorami, panorama. Et on sent que ben c'est maintenant que les choses se dessinent. Il peut y avoir un contrat très important qui va vous demander de passer à l'action ici. Hein, donc euh, on parle de ça. Alors ça me rappelle le danger que l'on avait tout à l'heure. Vous êtes conscient de certains risques que vous prenez ou que vous avez pris, et on voit que on va faire ça en bonne intelligence. Voyez, mais j'ai l'impression qu'effectivement on va y aller quoi. Il y a un risque peut-être financier, mais on va y aller quoi. On se lance. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous. Allez, on va y voir la suite. C'est un tirage assez particulier. Il est fort pour vous, les poissons. Je vais essayer de faire ressortir l'énergie, la, la substance, mais pas, ce n'est pas simple hein, dans un tirage général. Regardez bien ce que l'on trouve ici, de nouveau, l'aubaine, qui me fait penser à cette notion de chance ici. D'accord Alors, vous voyez, je, je suis en train d'attraper la, la carte de la chance, puis du coup, je vois derrière la protection et l'argent. Vous voyez comme c'est beau les idées, les secrets, la réussite. Waouh Alors ici, euh, clairement, là, j'ai les poissons qui ont une opportunité, une aubaine possibilité. Hein. Il y a quelque chose qu'on vous tend euh, qui, à mon avis, fait partie euh, d'une situation qui était euh, pas providentielle, mais pas loin. On ressent ici quelque chose qui peut se présenter à vous. Mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose vient vous polluer, vous parasiter. Soit c'est une personne plus âgée ici. Qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, soit c'est une notion par rapport à des enfants ici. Alors, enfant, personne âgé, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, ça peut être une tante, ça peut être, euh, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, mais on peut sentir aussi que certains poissons vous êtes à travailler sur une énergie euh, par rapport à accueillir les opportunités qu'on vous présente à l'appel ici. Mais vous êtes parasité par une éducation, par une problématique ou par l'âge qui passe, vous voyez, le temps qui passe, l'âge qui avance. Vous voyez, on avait l'idée de la progression. On peut sentir qu'il y a des personnes ici qui sont prises par le temps et c'est ça hein, que, qui ressort avec ce neuf de bâton. Vous avez des opportunités à l'appel. Pour moi, c'est ça. Vous êtes totalement guidé. On vous en présente, mais vous ne, vous peut-être vous ne saisissez pas votre part, votre voilà. Il y a un côté comme ça où euh, Maintenant, il s'agit de retrouver la confiance, parce que là, vraiment, mettre la lumière sur les risques et les dangers, donc euh, oser accepter l'opportunité qui vous, a, vous sera présentée. Alors, il se peut qu'on parle d'un héritage, les, po les poissons, puisque ici, j'ai le défunt ici, et puis on me montre la naissance. Donc, certains d'entre vous, c'est une part d'héritage qui ressort ici, notamment avec la notion de chaque geste qui compte. Hein. On peut sentir qu'il y a des poissons qui vont avoir une bah oui des nouvelles concernant une personne, mais il peut y avoir des rivalités entre frères, sœurs ou enfants. On peut sentir ça. Mais chacun va euh, contribuer, je pense, hein, pour beaucoup d'entre vous là, vous allez avoir affaire à, à des à des petites parts. C'est ce qu'on me dit. Alors pour euh, certains d'entre vous, ce que je ressens aussi, c'est particulier. Hein, <laughs> c'est que euh, on prépare son futur, on prépare son futur sur des projets. Euh, mais on travaille sur la notion d'une euh, d'accepter le fait de mériter. Voilà, c'est un peu ça, la légitimité. On peut le sentir. Il y a quelque chose hein, qui ressort. Alors, c'est en semant les bonnes graines et chaque petite chose que vous mettez en place aujourd'hui, c'est ce que nous montre ce, ce personnage qui joue au baseball, eh bien contribuera euh, à pouvoir justement vous libérer hein, de, de problématiques, mais aussi à aller vers votre fortune. On le sent. Il y a une notion de libération. Donc, euh, c'est beau. Hein. Mm. Fluidité, alors certains d'entre vous, cette abondance, je la ressens quand même dans la notion du œuvre de bâton. Une créativité qui peut arriver, une, un projet qui peut arriver. Euh, et surtout, ben cette, cette abondance de, de, de nouvelles, de messages, de, de possibilités, d'opportunités. Euh, soit c'est vous qui les mettez en place si vous êtes commerçant, par exemple. Mais on le voit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bon en tout cas, il y a ça, cette énergie-là nous pose question. c'est possible que avec le temps on ait besoin de retrouver de l'insouciance. et peut-être qu'une personne vous met des bâtons dans les roues, ou une personne qui a tendance ici à, à se comporter de façon peut-être un peu hautaine. alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous, vous avez en tout cas une renaissance. Hein une renaissance peut-être plus. c'est possible que vous ayez euh, enfant, vécu dans une forme d'abondance, ou au contraire, hein, pas du tout. Et on voit que vous apprenez à, 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 à manier, on va dire, les énergies de l'argent. Hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir avec le béline. Votre tirage est particulier. Et de toute façon, la dualité, je vous ai dit, hein, elle ressort. Euh, donc, c'est compliqué dans ces tirages parce que j'ai divers poissons qui me regardent, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons Pour votre matérialité, le finance matériel, projet Poisson et ascendant poisson s'il vous plaît. La paix, bon, d'accord, l'âge de guerre. Il peut y avoir effectivement la fin d'une rivalité. Poisson s'il vous plaît. Les poissons solaires et ascendant poisson pour les finances pour le mois de juin s'il vous plaît. Pour les poissons solaires et ascendant poisson. Alors, on va prendre des cartes qui se sont retournées. Bah, regardez l'argent et l'homme. Hein. Euh, et la famille. Euh, on retrouve l'homme que l'on avait dans la sphère professionnelle, la beauté, l'art. Mm. Moi, je pense que là, vous, vous pourriez euh, avoir une opportunité, une chance euh, grâce à quelqu'un qui, euh, qui a un flux euh, de l'argent. Mais vous pourriez avoir effectivement quelqu'un qui vient un petit peu euh, bah, vous mettre des bâtons dans les roues. Et pour autant, il y a quelque chose qui s'annonce de très favorable, une paix qui va s'installer. Donc très bon pour vous. Alors on pourrait très bien parler d'un homme fortuné ici, de quelqu'un qui vous offre aussi cette opportunité, cette, cette aubaine. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a effectivement peut-être de l'autre côté une énergie tierce qui vient un peu parasiter. Donc à voir comment ça se manifeste pour vous. On va aller voir la suite. Alors les poissons au niveau sentimental, j'ai voulu compartimenter les vid la vidéo en deux parties, c'est-à-dire ici à gauche les énergies tournées vers la vie euh, plutôt de couple et puis ici plutôt les célibataires. Mais euh, je tiens à préciser, je prends souvent l'exemple du bocal à poisson hein, où on nage dans un égrigore et euh, vous êtes bien sûr concerné pour moi dans toutes ces énergies-là. Même si euh, pour certains, eh bien, on va parler d'un autre relationnel ici ou d'un travail, d'amour propre. On va parler de là où vous en êtes et bien sûr d'un, ouais, d'une situation qui peut être aussi des couples qui deviennent célibataires et des célibataires en couple pour être en procédure de séparation ou au contraire euh, en train d'aménager de, de, avec votre autre. Voilà, alors on commence quand même par cette énergie du couple et on voit qu'il y a, euh, de l'énergie assez particulière avec ce petit serpent et on a l'énergie de l'accomplissement. Alors pour les personnes très éclairées ici, on le voit dans cette dualité, je vous l'ai dit euh, déjà depuis le début, on a une situation quand même avec euh, cette, cette énergie du monde et ce petit serpent bah, de s'apercevoir hein, que parfois l'amour ce n'est pas un long fleuve tranquille et on peut sentir effectivement cette énergie, en plus la carte porte le chiffre 66, on peut sentir une forme d'énergie sournoise ici qui s'infiltre parfois et ça peut venir d'un contexte extérieur et on peut sentir que ça peut affecter euh, certaines énergies ici pour euh, des poissons. Alors on voit que c'est quelque chose qui peut être en lien depuis votre naissance, le sentiment ici d'être rejeté par le monde extérieur ou abandonné par une personne ici. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de retrouver le goût. Alors là, j'ai surtout deux personnes qui se tiennent euh, la main et on peut sentir qu'on a besoin de... Euh, de respect, de fidélité autour de l'amour, on, on veut essayer peut-être de sentir que avec de beaucoup d'empathie les Poissons que l'amour, la fidélité c'est quelque chose d'essentiel, hein. et, et aussi par rapport aux enfants. Donc on peut sentir que c'est quelque chose hein, pour beaucoup de Poissons qu'on est en train de régler intérieurement, quel que soit le relationnel dont on parle. Parce que si ça ne va pas dans votre couple évidemment, euh, c'est en tout cas pour comprendre cette dualité que ça, ça ressort. Pour certains d'entre vous, c'est plutôt le fait que vous ayez un engagement auprès de vos enfants ou auprès des enfants ou que vous vous êtes rencontrés depuis très longtemps, hein, certains poissons peut-être depuis votre jeunesse et que ben vous essayez euh, de vous octroyer certains moments d'indépendance et on voit que c'est parce que vous avez besoin aussi hein, de vous aérer, c'est hein, ce qui peut ressortir. Parce qu'on sent bien qu'en chacun de nous, il y a cette énergie un peu parfois pas toujours facile à vivre. Hein. On, on, on est face à la dualité on, actuellement. Euh on est livré aussi à nos propres pardons hein, c'est un peu cette énergie qui ressort. Bon pour certains ça fait un petit moment que on voit qu'il y a eu un, un comment dire un projet sans doute hein, qui, euh, qui vous a mis un petit peu euh, éloigné. ça peut être par exemple un projet qui se passe à l'étranger ailleurs. Pour certains, c'est en rapport avec euh, cette, euh, cette blessure d'enfance, hein, moi je peux le ressentir, ou blessure pour ne pas avoir d'enfant, par exemple. Vous voulez peut-être en avoir un enfant. Il y a quelque chose ici euh, qui parle d'enfant unique aussi, hein, certains poissons. Donc en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui se rétablit sur quelque chose un peu particulièrement difficile hein, parce que je pense que ce n'est pas tout à fait de notre ressort c'est une situation extérieure à nous qui vient s'infiltrer malgré nous hein. c'est ça que je ressens dans vos énergies on va aller voir avec le bénin mais bon là je pense qu'on reste aussi pour certains couples euh, avec euh, des enfants euh, pour les enfants voilà, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Euh, il y a une notion aussi de mariage, mariage, enfant. Vous voyez, c'est un peu l'énergie le, le, de l'amour qui est. On respecte ses valeurs, ses principes. Mais ce que je peux ressentir vraiment pour beaucoup d'entre vous, c'est qu'il y a un projet d'une personne qui euh, prend beaucoup d'ampleur. Et c'est peut-être ça hein, qui vient un peu s'infiltrer dans le, dans, le, dans le couple. Et euh, on se retrouve un peu seul, hein. pour certains, c'est ça. Mais on va euh, essayer vraiment de, euh, de, de, de respecter un engagement, hein. c'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour les couples, hein, s'il vous plaît Alors, bah, la nouvelle, évidemment, vous avez une histoire de... Il y, y a une histoire de nouveauté, une histoire d'annonce. Hein. Alors, est-ce qu'on annonce une grossesse hein, pour certains Possible et bon, je peux avoir ici quelqu'un qui est seul. Hein. Euh, on peut avoir, vous savez, ces, ces familles monoparentales euh, qui ressortent dans, dans le. Et j'ai l'impression que vous allez être accompagné par euh, quelqu'un de proche autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre bah, L'événement inattendu, hein. la roue, la synchronicité. Euh, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'on vous sème aussi des, des informations importantes à entendre. Je vous ai parlé de cet oiseau depuis le début. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit Et la table. Bon, alors là, un événement, un entretien, une rencontre, euh, une festivité, une annonce, hein, vraiment. Et on a l'appui. Hein. Je vous ai parlé d'un appui depuis le début. On a vraiment quelque chose qui vous amène ici à, à vous sentir. Euh, bah, je pense que c'est une belle énergie qui ressort de, de joie. De... On partage là. Moi, j'ai l'impression qu'on va partager quelque chose après une période un peu complexe. Hein. Voilà. Donc, on, on aide, on soutient, on est soutenu. Il y a de l'appui. Ça peut être un appui de votre hôte comme un appui plus subtil ici. Ouais, sur quelque chose qui vous a manqué, on parle encore d'argent. <laughs> Libération, argent, abondance, cadeau sur une situation d'infortune. On essaye vraiment de vous libérer là. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Il y a, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous les poissons, mais c'est un beau jeu. Hein. Il m'intrigue. <laughs> voilà. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Alors, ce qu'on me dit ici pour les célibataires, c'est une personne qui euh, peut-être est un peu inquiet, un peu dans la nébuleuse, et on retrouve la notion de conscience, confiance. Alors, regardez bien, on a la confiance. On voit qu'il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre, à, à, à gagner. On parle de profondeur. Et c'est cette notion de confiance. C'est particulier parce que certains d'entre vous, on voit qu'il y a des peurs. Et cette énergie là qui ressort donc pour certains poissons on a une femme ici on a peut-être peur d'une personne en particulier on a peur en tant que femme pour certains il y a la notion de sensualité et de coup de foudre hein. on n'a pas envie de s'emballer il pourrait y avoir une rencontre très importante mais on n'a pas encore tout à fait la pleine confiance sur cette personne il se peut qu'on soit dans l'inquiétude de de tomber amoureux ou d'être attaché à cette personne, d'avoir du désir. Et il se peut que certains poissons vous sentiez comme ça. Alors, pour certains, vous travaillez sur la confiance en soi, le sent. Euh, ça montre ici que vous avez des objectifs définis. Euh, et ça peut parler de gâteau, de sensualité, de surpoids, de poids, d'affectif. Certains d'entre vous, vous comblez euh, une, euh, un manque affectif par des notions de, euh, de manger ou de plaisir. Ici, pas forcément la nourriture, hein, ça peut être autre chose. Mais voilà à peu près ce qu'on me dit. Pour beaucoup d'entre vous, il peut y avoir un signe du Sagittaire qui ressort ici. Je le dis parce que ça c'est le symbole du Sagittaire. Et pour beaucoup d'entre vous, hein, je vous ai parlé de la Vierge et du euh, Gémeaux. Voilà certains vraiment on sent une, une sensualité importante dont vous vous méfiez aussi vis-à-vis -vis de vous-même. vous avez peut-être peur hein, de, de tomber vraiment en amour ici ou d'être emballé pour dire, on confond peut-être sensualité et amour, hein, c'est possible. Mais ce qu'on me dit surtout, c'est qu'on doit aller chercher, on doit se lancer ici parce que la peur vous, vous, vous empêche peut-être profiter aussi pleinement de moments, de. on parle d'épicurisme, mais on parle aussi bah, de tomber amoureux. Peut-être ici, la peur vous, vous, vous empêche ici de, de, de saisir une chance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux amoureux. Hein. Il peut y avoir une raison que vous ne comprenez pas euh, les poissons dans un relationnel hein, au niveau affectif. Voilà, vous comprenez pas. Il y a quelque chose, c'est nébuleux, on le sent. Et, et c'est ça, il y a, a quelqu'un qui ne vous dit pas quelque chose ici, ça vous inquiète. Il peut y avoir quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, que vous attirez beaucoup mais qui ne le dit pas, qui, vous a, qui, qui a eu peut-être un coup de cœur pour vous. En tout cas, avec la Lune, on a des ressentis de plus en plus importants. Faites confiance à vos ressentis sur une situation qui visiblement vous inquiète un peu. Donc, euh, voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Allez, on y va avec le Bénin. Pour les célibataires poissons et ascendants poissons, qu'est-ce qu'on vous dit Deux cartes. Bon, ok. Là, on va aller voir une troisième. Et l'amour bon, <laughs> on a peut-être perdu la reconnaissance affective d'une personne qui est partie. On sent quelqu'un qui vous a laissé comme ça. C'était, on s'est peut-être emballé. Il y a eu un, un beau partage, mais je vous dis, il y a quelqu'un qui a manqué de confiance en soi ou manqué de confiance en l'autre et on s'est un peu dérobé là. On peut sentir ça. On peut sentir la confiance de nouveau qui est à réparer et on va parler d'une reconnaissance au niveau de vos sentiments et au niveau des sentiments des autres, de l'autre. Et on sent ici un nouveau départ parce que là, je pense qu'il y a l'idée de l'oiseau ici, c'est ça. <laughs> ça peut être une, une personne qui est vraiment partie à l'étranger, qui est partie tout court et on sent bien qu'il y a euh, pourtant un, un besoin de reconnaissance, mais il y a une peur ici. On a la peur, on a vraiment quelqu'un qui a peur. Donc, euh, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous de nouveau, les Poissons, mais on sent bien que c'est très ambivalent. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la... Ouais, la fortune On a peur de de, la, de ne pas être aimé. On a peur de ne pas. Euh... Il y a le cadeau de nouveau. Je pense qu'on a l'abondance derrière. Ouais, c'est ça. On a envie de. Ouais, on n'a envie... peut-être pas été euh... Courageux ici pour certains d'aller jusqu'au bout d'une histoire. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Alors, on va aller voir la synthèse. Un très très beau tirage, les poissons magnifiques. Alors, comme je le dis souvent en introduction, prenez le temps d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que la synthèse elle vient vraiment éclairer des choses qui sont passées si et là. Et je peux vous dire qu'on la retrouve ici dans ce gros tas de cartes. Alors, je, je précise que j'ai mélangé trois oracles, pour ça que j'en ai deux qui sont déjà sortis ici. Et on vous dit quoi J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux, tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu, j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Je vous ai parlé tout à l'heure de situations où vous avez pu faire des demandes à l'univers autour de vous. Quelque chose qui a été entendu, peut-être même sans y porter vraiment une attention. Peut-être c'était une intention que vous aviez, mais qui n'a pas été forcée. Verbalisé, mais là on voit qu'avec l'oiseau, ce message il est encourageant ici et on vous dit que vous allez avoir ici une, une situation qui va prendre beaucoup d'ampleur. Alors j'ai la notion d'une personne ici qui va se laisser porter. Regardez, on a une femme qui est accrochée à un ballon et on la sent ici s'élever. C'est la carte où on vous dit qu'il y a une ascension, une remontée de vos énergies, une remontée de votre intuition. Certains d'entre vous, vous avez passé un palier et maintenant vous ressentez bien les choses. Et on peut sentir qu'effectivement, euh, vous avez avec cette notion d'élévation, comme l'escalier que nous avions au niveau professionnel, comme si euh, vous êtes soit intuitif de plus en plus, vous vous ouvrez de plus en plus à cette énergie subtile, soit c'est des signes qui vont se manifester et on va vous aider à progresser. Et ça, ça, ça nous parle bien parce que là, on vous dit qu'il y a des ressentis pour certains poissons qui sont de plus en plus intimes et qui vous mettent en marge de progression. Pour certains, c'est vraiment que quelqu'un vous aide à pouvoir lâcher prise. On vous dit qu'il y a de la joie qui revient. Donc ici, pour moi, c'est la synchronicité. Hein. Le lâcher prise, ici, nous parle de ça. Et en plus, on a une, un appel ici. Un appel, vraiment, on vous dit, viens par là. Il y a quelque chose qui vous dit, débranchez votre esprit. Plus vous débranchez votre esprit, plus vous lâchez prise, plus votre intuition va vous emmener à une progression fulgurante. Et là, vous allez sentir cette joie qui peut être vraiment de la plénitude. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion. Laissez-la s'écouler. Hein, vraiment, la notion de laisser aller, hein, vraiment. Alors, c'est beau ce que je vois en dos de deck. On me dit le compromis, l'hésitation, ça ressemble à l'énergie que nous avions des amoureux, ici, la carte 6. Et on voit qu'il y a effectivement une dualité, que vous êtes en train de prendre, vous prenez conscience hein, de cette dualité. On a la vérité ici. Ça vous emmène ici justement à une sagesse, à quelque chose qui ressemble à ces deux énergies que nous avions là. L'ermite et le danger, c'est l'éclatement d'une vérité, d'une conscience de soi ou d'une confiance. Ici, on parle de la lumière qui revient. Ce sage, l'ermite, généralement, c'est celui qui est le symbole de la vérité et de la sagesse. Il a une connaissance innée, il a une force intérieure. Et on voit qu'ici, on fait éclater cette énergie-là. Donc vous pourriez avoir une bonne prise de, de, de confiance, pardon, de prise de compréhension vis-à-vis d'un domaine de votre vie dans lequel la vérité, eh bien on, on ne veut plus l'éviter, on ne veut plus essayer de faire des contours, on y va quoi. Il y a cette notion d'éclatement. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la notion de miracle hein, qui ressort. Vous voyez bien comme on est connecté à des énergies très subtiles. Hein, vous, alors le miracle, je le précise, j'ai lu hein, le cours des miracles qui explique une forme de guérison qui est en train de s'opérer, donc très bon pour vous, et on voit cette joie hein, profonde de découvrir aussi beaucoup de synchronicité, la reliance à tout, hein. je vous le souhaite vivement, abondamment, hein, les poissons évidemment, et on a cette énergie, Alors, elle, est, elle est intéressante parce qu'on a quelqu'un qui porte un verre, qui se fait beau, qui est très glamour, hein, et on sent ici la notion de passion, donc pour beaucoup effectivement il y a une... Euh, une personne ici qui est en train de remonter ses énergies qui va vers davantage de plaisir d'accueil du, du plaisir de la joie de vivre on sent quelque chose pourrait se fêter très très belle énergie pour moi hein, les poissons alors euh, oui j'ai beaucoup de messages évidemment pour certains si vous connaissez un poisson qui boit qui a tendance ici à être dans des énergies un peu passionnelles eh bien vous pourriez sentir effectivement qu'il y a peut-être euh, en bah, guise ou roche, on a vu un serpent, et certains, vraiment, vous allez aller, euh, vous allez être guidé pour vous éloigner d'un danger. Par exemple, vous hein, voyez, je peux avoir vraiment beaucoup de messages. Mais ce qu'on peut sentir, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur une situation qui, jusqu'à présent, vous étiez tiraillé. Hein, je le sens. Donc, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à un professionnel, ça peut être par rapport à une relation. Et je pense que vous apprenez surtout à conjuguer avec ce que vous ressentez intérieurement et que vous n'arrivez plus à laisser simplement filer par votre pensée. Vous l'accueillez ici. Hein. C'est comme ça que ça ressort. Je vous souhaite un très beau mois de juin. N'hésitez pas à communiquer hein, pour les poissons qui regardent cette vidéo. Ça peut les aider à comprendre aussi, voir ce que vous traversez. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.